Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Eh bien, écoute, bien le bonsoir à ceux qui sont déjà sur le chat, dont mon ami Rétro Salon. Moi, tout va bien, écoute. Bon, à part que j'ai ramené ma moitié à la gare, donc c'est moins drôle. Mais écoute, dans quelques jours, ça y est, enfin, je déménage, je me casse, je vais la rejoindre. Donc, c'est juste parfait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va jouer à Ratchet & Clank sur PS5, bien évidemment. Parce que ouais, j'ai récupéré une PS5. Donc, ça c'est cool. Donc, voilà, la petite manette, elle est là. Voilà, on va se faire plaisir. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ouais, une nouvelle installation. Donc là, j'ai bien reçu mon support d'écran PC vertical. Donc ça c'est cool. Donc si de temps en temps vous me voyez jeter un petit coup d'œil vers le haut, c'est que je check le chat tout simplement. J'ai enfin trouvé une cam avec un grand angle, ce que je cherchais depuis quelques mois. Et puis là, il y a eu une promo de dingue qui a duré quelques minutes à 7 euros la cam. Donc franchement, ça fait le taf. J'ai un beau dispositif là derrière moi. Voilà, il y a de quoi, il y a de la place. Donc ça, c'est cool. Et puis, ouais, donc Ratchet & Clank, voilà, donc petite PS5 qui commence à chauffer doucement mais tranquillement. Donc voilà. Et puis, donc comme vous pouvez le voir sur mes petits yeux, donc je vais vous les montrer de près. Hop. Donc sur mes petits yeux, j'ai donc une paire de lunettes de la marque Horus X Gaming. Donc on peut se dire, ouais, non, c'est juste des lunettes orange. Ben non, en fait, ce sont des lunettes qui coupent la lumière bleue. Voilà. Donc la lumière bleue, ben, qu'est-ce que c'est? C'est une lumière un peu traître qu'on ne voit pas et qui nous défonce les yeux. Tout simplement, donc voilà, donc j'ai un petit partenariat avec eux. On peut voir mon petit logo en bas à gauche de l'écran. Et puis si vous voulez profiter de moins 15%, donc vous allez simplement sur leur site, Horus X Gaming, et vous rentrez le code de ma vie de geek 15, tout attaché, et donc vous aurez moins 15% sur ce que vous voulez sur le site. Mais voilà, pensez à vos yeux, c'est super important. Il faut se protéger les yeux si vous voulez jouer un peu plus longtemps et pas vous défoncer la rétine. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ben c'est parti, on va se lancer dans l'aventure. Donc on peut voir que j'ai déjà 10% de jeu. J'ai triché un petit peu parce qu'avec ma chérie, on l'a attaqué. Donc forcément, j'en étais où? Je me rappelle même plus. Donc on va faire ça au feeling. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, même des astuces ou quoi sur le jeu. Je suis bien évidemment preneur. Voilà. Comment ça va, mon chou? Mais écoute, c'est vrai que je joue avec la demoiselle. Là, je suis complet de partout. Donc, en fait, les gâchettes haptiques, franchement, ça marche plutôt pas mal sur le Ratchet. Donc, on va se faire plaisir. Parce que ça, c'est des ennemis, ça. Bien évidemment que c'est des ennemis. Voilà, tiens. Non, mais attends, mais genre, t'es contre moi, toi? Ah, mais t'es contre moi, mec! Genre, il m'aide, mais en fait, je vais quand même essayer de le défoncer. Même s'il m'aide, on va dire indirectement. Wow, 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 détends-toi, Jean-Paul, là. Et ouais, je te défonce, moi. Trophée, c'est de la bombe. Bien sûr que c'est de la bombe, bébé. What? Esquive, bien joué ça. Alors on va voir si j'ai pas une autre arme qui pourrait faire un petit peu plus de mal à notre ami, comme l'exécuteur. Et ouais, l'esquive. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Oh, détends-toi. Détends-toi, mec. Hop, on va changer d'arme, à moins qu'il soit mort. Oh putain, je me suis fait défoncer. Bon, bah, on va y aller tranquille, hein. Est-ce que je peux me remettre de la vitalité? Et voilà, il est mort.
Eh bien, bonsoir MD Production, comment on va? La pêche? Et c'est super sympa de passer là. Ça fait plaise. Alors, est-ce que là-dedans il y a des. Ben ouais, là-dedans il y a des. Il y a des boulons et des écrous. Donc on va tout prendre, forcément. Alors, je meurs de chaud. Non, mais attends, on est d'accord. Chez nous, ici, il fait 34, 35. Ça fait 3 jours avec ma chérie, on ne dormait plus. Bon, je pense que ce soir, je vais toujours pas dormir, mais. Qu'est-ce que tu veux faire? Malheureusement. Il manque, je me casse. Même gagner 10 degrés, franchement, les 10 degrés, je les prends, quoi. Ah, c'est juste 35, 36. Non, c'est abusé. Faut arrêter le délire, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Bah, chez nous, écoute, ça va. Dans une semaine, j'ai fini le boulot. Donc, ça, c'est vraiment cool. C'est la très très bonne nouvelle de la semaine. What? Ouais, non, franchement, ouais, je finis le boulot. Je suis bien content. Ça y est. Enfin. Enfin, j'arrête le boulot. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça va faire vraiment plaisir, quoi. Alors. Ah, voilà. Si on regardait la map un petit peu. Ce n'est pas les températures qui sont dérangeantes, c'est juste qu'il fait chaud et qu'il n'a pas d'air. Ouais, exactement, c'est assez étouffant. Donc tu sais, hier je suis sorti du boulot, d'un coup j'ai pris une gifle de chaleur en pleine gueule. Oh, comment te dire? C'était juste du grand n'importe quoi. Genre je déteste ça, quoi. Ça c'est quoi ça? What? Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, non, je suis d'accord, c'est vraiment juste étouffant, c'est dégueulasse, c'est. Ça sert à rien, c'est. C'est l'été, quoi. Enfin, je comprends pas les gens qui sont là. Ça va être violent comme choc thermique. Ben ouais, tu sais, je travaille à 6 degrés, donc d'un coup, tu sors, il fait 60 dans la voiture. Ah, tu prends des gifles, quoi. Ça, c'est certain. Allez, go. Tiens. Là, il y a un petit portail. On va se détendre. Ça, c'est quoi, ça, là-bas? Alors. Là, il y a une petite île, mais j'ai pas trop envie d'y aller. Toi, t'es pas un ennemi, toi, mais non, t'es un gentil, toi. Je vais quand même aller recharger mes petites armes. Quel jeu, il est vraiment super classe. Ah, ok, nice, j'ai récupéré plus 3 munitions. Mais on va recharger. Ah non, c'est bon, je suis à fond. Trop bien. Et ça, c'est quoi? Non, j'ai pas envie de me barrer, moi. J'ai pas envie de me barrer, madame. Non, mais je sais pas si vous êtes en vacances, dans le chat ou quoi, mais. Voilà, moi, vendredi prochain, c'est Terminares pour moi. Donc, je vais me prendre 2 petits mois de coupure avec ma chérie. On va être tranquille. Bon, j'ai un déménagement qui m'attend, mais c'est pas, c'est rien de grave. Hop! Tu vas te détendre. Voilà. Qui me tire dessus? Qui ose me tirer dessus? Je te défonce, moi. C'est quoi le problème? Tiens! T'es sérieux là? Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Alors, je suis en vacances toute l'année, moi. Mais peut-être, non, plus trop longtemps. Eh bien, écoute, si t'as trouvé un taf, franchement, ça fait plaisir, quoi. C'est parfait, quoi. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Bon, tu sais quoi, je vais descendre, je vais lui mettre la race, tu vois, il va rien comprendre. Il est où? Eh ouais, bébé, tu crois que quoi? Ah, c'est quoi, ça, c'est loqué. What? Qui me tire dessus? T'es sérieux, mon pote? Qu'est-ce que tu pulvérises, toi? Alors, chien métallique dégueulasse, là. Oh, tu vas descendre, mon pote. What? J'ai plus d'armes. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, maman ta gueule. Ah d'accord, Marseille.
parfait ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est sérieux, c'est 50 000 quoi. Putain, mais j'ai plus d'armes. Eh ouais, mais ce soir c'est baston direct, tiens. Alors, vas-y, va te faire une soupe là. Alors là, il y a de quoi. Bon, ils sont où là, ces baltringues? Ok. Putain, mais les mecs, vous avez pas honte? Attends, ils vont faire les Mac, mais tu vois. Tiens, barre-moi ta gueule. Voilà, on baisse le pont. Merde. Putain, ça a foiré. Vas-y là. Alors, faut que je me repère un petit peu, et puis je pense qu'après. Là, ok, je peux y aller. On va déjà chercher un petit peu ce qui est important. Genre ça. Voilà, parce que sur la map, je pense qu'on va le voir. Il y a quand même des choses un peu importantes à aller chercher. Voilà, faut pas déconner quand même. Et par contre, ça fait chier là, genre. Le pont, je pouvais pas l'activer là. Alors, petit reproche, si éventuellement je peux faire un reproche sur Ratchet & Clank, c'est les écrous et les boulons sont trop petits à mon goût. Donc on a repéré ça et ma femme, ils sont assez petits. C'est bien dommage. Allez, on repart dans la faille. On amène le niveau vers nous. Je suis où là? Hein? Non mais c'est pas là que je voulais aller en fait. Si je fais ça. Et voilà Mino. Alors je vais où là? Ok. Donc le pont c'est mort. Le pont il est niqué. Donc allez, on va essayer une astuce. Attends, je peux courir avec ça. Ah. Voilà, c'est parfait ça. Et tu vois, on va y aller à l'ancienne, à la main. Oh, toi tu vas te détendre mon pote. J'ai plus d'armes. C'est bon, je prends ça. Tire de la tête, ça paye plus de tir de la tête. Qu'est-ce que tu veux? Tire de la tête, ça paye plus mon pote. On va faire attention de ne pas tomber, ce serait ballot. Tiens, du headshot, t'en veux du headshot mon pote? Tu veux du headshot, je te mets du headshot moi. Alors. Ah non, mytho. Allez, viens voir papa. Et voilà, Mino. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Alors. Donc tu vois, après, les écrous là, on les voit pas non plus super bien quoi. C'est assez relou. Donc on va essayer de ramasser ça comme il faut. De pas trop en laisser sur le côté, comme on dit. Allez,
Si on peut se le faire à la main, c'est encore mieux comme ça. On économise des munitions. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Allez, on va s'activer tranquillement. J'ai l'impression qu'il faut les actionner rapidement. Bon, ok, il faut passer dessus avec l'escargot. C'est vrai que c'est petit. Ouais, non, concrètement, tu vois, là, regarde, là, je m'approche doucement, tu vois, regarde. Tu vois, ils sont super petits. C'est dommage. Tu vois, j'aurais aimé vraiment des vis et des écrous beaucoup plus gros. Pour qu'au moins visuellement, je puisse les voir, quoi. Alors, il y a quoi sur la map? Ah. Sur la map, j'aurais peut-être oublié. Eh ben oui, je l'ai vu. En plus, je le vois, tu sais. Je le vois, je me dis, il faut que j'y aille. Et voilà, on est d'accord. On est bien d'accord que ça merdouille. Bon, je pense que c'est peut-être un des seuls reproches qu'on va faire au jeu. Hein. Parce qu'il paraît qu'il est parfait. Yes. Allez, petit escargot. Hop là. On va reprendre le petit escargot qui va bien. Je suis en train de te faire une espèce de razzia. Voilà. Si seulement je pouvais parler à Ratchet. Yes. Hop là, c'était juste, mais on l'a eu. Ça c'est plutôt pas mal. On a rien oublié sur la carte. Alors l'escargot fou, ça c'est bon, ça c'est le vaisseau. Donc voilà, au moins comme ça, on peut voir en bas à droite 0 sur 1, 1 sur 3 et 0 sur 4. Que je loupe rien, tu vois. Pourquoi refuses-tu de me faire confiance? Écoute, je suis pas fan des robots, surtout quand ils sèment le chaos dans. Alors là, voilà, il va y avoir quelques petits entre guillemets bugs. Oui, non, mais c'est moi qui les veux aussi. On le saura bien assez vite. Ouais, non. D'abord, on va se détendre. On va profiter un petit peu de la découverte. Découverte. Ah, je suis obligé d'y aller. Non? On va boire un coup, parce qu'il fait un peu 400 degrés, même avec le ventilo. Donc elle a quand même récupéré mon compagnon, donc ça je suis pas trop d'accord. Qu'est-ce qu'elle va lui faire? Ah mais bravo. C'est pas gentil de faire ça, madame. Bon, est-ce que la cam est bonne? Moi je trouve que c'est plutôt sympa le grand angle. Moi je trouve ça fun. Tu vois, en plus tu vois, j'ai la manette juste ici. Tu vois, c'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien. Donc tu n'avais pas menti. C'est ce que je t'ai répété. Je pourrais quasiment ouvrir les volets pour avoir une meilleure clarté. Tu vois, je vais. Une fois que je peux reprendre le game, je vais aller. Classe, on te voit bien. Ah, merci, ça fait plaisir, l'ami. Ah, je suis passé à une petite cam de 1080p, tu vois, ça fait plaisir. Tu penses qu'il n'est autre que ton double dimensionnel? Un truc comme ça. Écoute, je sais pas trop ce qui se passe. Son double dimensionnel. Mais tu détestes les robots. Enfin, je crois. Pas tous les robots. Juste du. La plupart. Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait sinon avec ma chérie? On a fini, comment on appelle ça? Astro Playroom, ouais. Forcément sur PS5. Un petit jeu qui te montre un petit peu toutes les capacités de la DualSense. Je l'ai fait journée sur PS3 qu'on a pu re-télécharger. Un jeu qui est juste fantastique. Et puis ce matin, avant de partir, on a fini, comment il s'appelle, Omno, voilà, qui sort le 23 juillet, 29 juillet, pardon. Par contre, si tu veux bien augmenter le son du jeu, s'il te plaît, car il n'est pas assez fort, mais aucun problème, mon ami, il n'y a aucun problème. Voilà, je viens de l'augmenter, donc tu me dis ce que tu en penses, voilà.
Je viens de faire une petite augmentation de volume du jeu. Merci beaucoup, c'est nettement mieux. Eh bien écoute, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est, mon escargot? Oh. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je présume. Attends, mais what? Ah oui, non, vite, 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 faut que je rattrape l'ennemi. Regarde-moi ça. Merde, j'ai perdu. Faut neutraliser, neutraliser. Eh oui, voilà. Wopo. Et oui, il esquive, c'est incroyable. C'est plutôt pas mal foutu. Hein. Le stabilisateur je passe par où? Doit se trouver sur son dos. Si j'arrive à le détruire, ça devrait suffire à l'arrêter. Allez, il y a une rampe là quelque part. Faut trouver une rampe, les gars. Oh putain, vite. Là, il y a une rampe. Ah ouais, bien joué. Très très bien joué ça, la rampe. Bravo mon pote. Allez, attention. Ouais, on est pas mal. Oh, on est pas mal là. On est plutôt pas mal les copains. Et bim. Ça veut dire qu'il va y avoir un petit boss. Ah, ça pue. Ah ouais. C'est même pas mytho là, mon pote. Eh oui, Mino, esquive. Oh non, c'est pas vrai. Attention. Eh ouais, Mino, je crois quoi. Belle esquive encore une fois, c'est parfait, c'est 48%. Et oui, c'est une première attaque fructueuse. Encore. Oh putain. Oh, déploiement d'explosifs amphibie, m'a dit. Allez, vas-y, je vais te remonter dessus avec une rampe, tu vois, ça va te faire drôle, mon pote. Qu'est-ce que c'est? Pour atteindre le stabilisateur de vol, je dois d'abord grimper sur son dos. Là, regarde. Voilà, Mino. Et bien sûr. Et mais c'est bien sûr. Grosse attaque dorsale. Et une nouvelle ère de jeu pour le défoncer. Vas-y, 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 barre-toi. Oh, comme je t'ai mis la mise à mon pote, qu'est-ce que tu fais? What? Il se passe quoi là? Il se passe quoi mon pote? Quel danger? Ben non en fait, parce que déjà tu vas prendre cher tu vois. Eh oui, esquive encore une fois. Oh là là, quelle maîtrise. Quelle maîtrise, c'est incroyable. Allez, 10%, tu vas mourir. 4%, 3, 2, 1. Pim, c'est victoire, Mino. Attends, je peux même pas boire parce que là on n'est pas à l'abri d'une connerie là. Bim, chien dans ta gueule. Est-ce que ça va, Boulon? Tu es venu me sauver? Ah. Merci. C'est mignon. C'est mignon. Encore une affaire à régler, toi et moi.
On devrait aller voir si Mork a réparé le vaisseau. Bon, comme on vient de le voir, pas d'automne de chargement. Hein, ça c'est la PS5, c'est la base. Par contre... est-ce que sur la map, il y a des trucs que j'ai loupés? Un bon bruit de métal à l'ancienne. Le gars, c'est... Le gars, c'est... Le mec, c'est un rat, quoi. Un boulon, c'est un boulon, quoi. Et parce qu'après, tu passes à la boutique. Et la boutique, ça coûte cher. D'ailleurs, on en est où? Alors, armure. Ça, je peux toujours pas. Objet collectionné. On est d'accord. Les armes. Qu'est-ce qu'on peut avoir, les armes? Ok, gadget. D'accord. Bon. On peut pas faire grand chose pour le moment. Donc on va se barrer là-bas. Au fait, que dirais-tu d'un amplificateur de signal pour réparer ton communicateur? Que dirais-tu de récupérer ça déjà? Le raritanium. Ça c'est la base, le raritanium. Mais ce sera pas mal. Putain, c'est là où j'étais tout à l'heure ça. C'est dommage que je puisse pas les manter. Ah bah si, tu vois. J'ai dit une connerie. Et pim. Alors. D'accord. Et voilà, Mino. Donc est-ce que c'était bien ma mission? Est-ce que c'était bien ma mission de base? Je pense que oui, hein, au final. On va vérifier ça. Examiner donc l'anomalie, ça c'est ok. Ah merde, par contre, ouais, donc... là il me manque des trucs, là. Là il me manque des trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le plein. On va aller voir notre pote, là, on va aller faire le plein. Si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Pour 100 balles, je peux pas acheter le ricochet. Cette blague. Alors. Là, je peux aller là. Ok, je suis ici. Andiamo. Et salut à ceux qui viennent d'arriver. Et bien le bonsoir. Bien le bonsoir. On va essayer quand même de se choper ce bordel là-bas, ça serait bien. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Rien au final. Le mec il vient là juste pour le fun. Ça, je suis pas sur la bonne partie de la map. Ben non. Ben non, parce que tu es beaucoup. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est le petit peu beau quand même. J'aurais bien aimé avoir mon escargot, mais il est où l'escargot? C'était un nid, ça? Ah non, mon escargot, il est là. Il est là, mon escargot. Putain, mais ça veut plutôt bien jouer, Seb. Le mec, il est rentré dedans direct, quoi. Allez. Alors, est-ce qu'ici, j'avais tout fait? Parce que ça m'indique quand même. Ah, yes. Santé collectée, c'est parfait. Je vais peut-être pouvoir un peu plus en profiter.
Ah ouais. Ça en fait des explosifs. Je dois faire attention. Poche dimensionnelle. Ok. Bon, écoute. Donc, ça voudrait dire qu'il y a de l'explosif et du raritanium. Putain, c'est parfait ça. Bim. On va quand même bien vérifier tout ce qu'il y a autour de nous. C'est pour pas. Pour rien louper. C'est trop loin ça? Oh non, c'était pas trop loin. Carte. Merde, j'ai pas de carte. La carte était indisponible. Donc il va falloir être un peu plus que prudent. Il va falloir être un peu plus que prudent. Dégage. Ah, peut-être qu'il va falloir même monter dessus. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ça, il va falloir monter dessus. Pour avoir accès. Et oui, il a échappé belle. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout exploser? Est-ce qu'on ferait pas tout exploser nous? Parce qu'en plus les pièces me reviennent. Ah, mais ça revient indéfiniment. Mais oui, forcément. Bon, allez, on s'emballèque. Oh, yes. What is this? Un propulseur? Non? C'est quoi? Déguisement de robot jambière 1 sur 3. Ah, voilà. Tu as trouvé un module d'armure. Ceci confère un boost permanent. Que tu t'en équipes ou non. Ok, forcément, tu en collectionnes d'autres. Alors, modifie ton apparence en appuyant sur croix pour t'équiper d'une armure. Appuie sur carré. Ah, il est là, bébé, il est là, bébé, il est là, papa, il a le fiston. Comment il va, là, papa? Quelle heure il est? 20h37. Eh ouais, 20h37, frérot. Ça y est, t'as fini le travail. Pendant qu'il y en a qui se la coule douce à la maison, regarde. Oh, est-ce que tu as vu un peu les lunettes? Regarde un peu les lunettes du sponsor. Le partenaire, frère. Ça, c'est les lunettes, ça. Les lunettes anti-lumière bleue. C'est la base. Qu'est-ce que ça dit? Donc. Ok, bah. Je les déséquipe et là je les équipe. Ben oui, forcément. Changer la couleur. What? Qu'est-ce que tu as fait la tête, bébé? Alors attends. Ou ça, ça me plaît, ce bleu, il me plaît. Tu sais, je vais. Bien le bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Voilà, 20h38, vous avez raison, venez passer un beau petit moment sur la chaîne. Ouh, ouais, noir-violet, ça tue ça. Non, je crois que je vais la faire un petit peu, je sais pas, Metroid. Voilà. Allez, on range un peu tout ça. Et bien évidemment, on rentre à la maison. Donc j'ai découvert ce qu'il me fallait, le reste... Content de ne pas avoir raté le live. Eh bien écoute, de toute façon je suis là jusqu'à 22h, fiston. Ça fait plaisir que tu sois venu en tout cas. Voilà, donc je vais faire deux petites heures de live, voire 2h30. On va se mettre bien. Alors qu'est-ce que j'aurais loupé? Ça, ça va être l'escargot. Donc on va retourner voir le copain escargot. Ta-la-la-la, ta-ta-la-la. Regarde. Hop, petit L1 qui va bien des familles. Donc normalement, ça devrait... Il est où mon poteau d'escargot? Est-ce que je l'ai lâché comme une sous-merde? Eh ben, je pense que je l'ai lâché comme une sous-merde, non? Allez. Pas de temps de chargement, quel régal. Ça, c'est vraiment un régal, ça. Alors je pense qu'on va peut-être un petit peu trop vite s'y habituer. Au fait de pas avoir de temps de chargement. Voilà, ça qu'on veut voir. Après, il faut que j'aille où?
Oh, je pense que tu es un peu trop rêvé là. Non? C'est bon ça, Mino. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, le sub du Nico. Le sub à la famille. Bien sûr que ça fait plaisir à la famille. Voilà, allez, on peut mettre des petits cœurs pour le Nico. Tiens, on va lui mettre des petits cœurs. Un escargot rapide, c'est un comble quand même. Hein. Et on va lui faire du love. Du love, mon Nico. Regarde. Il est là, il fait plaisir. Merci la famille. Ça fait plaisir. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est que, ok, on fait ça. Mais il va falloir un peu se détendre parce que on va quand même essayer de... On va essayer de quoi? On va essayer de récupérer ce qui me manque. Alors. Donc là. Il me manque ça ici. Mais est-ce que je peux remonter? Eh non, je peux pas remonter. Putain, regarde ça. Merci à toi BG, tu nous régales. Eh. Qu'est-ce que je régale moi? Je suis là, on est bien tenté, on se met bien quoi. On se met bien. Bon les amis, il va falloir trouver une solution là, parce que là, ça part complètement en couille là. Et oui, il est là. Attends, à moins que je puisse passer de l'autre côté. Allez, on va essayer de trouver notre chemin. On va essayer de trouver un chemin par lequel on peut passer, parce qu'à un moment donné, faut pas déconner quand même. Là, on a vu que c'était mort. Si c'est mort par là, là c'est quoi? C'est de rap ça? Oh, voilà! Là on est bien. Là je pense que là on est pas mal. Là on est plutôt pas mal. Oh, regarde. Il était où celui-là? Il était caché ce motherfucker bitch. Attends, par contre je suis dans la merde maintenant, j'ai plus d'escargot. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre le bout d'un gros cochon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à la Mifa? Serait-ce que... Non, ok. Putain, mais genre, j'ai découvert une île, quoi. Là, il y en a un autre. Ah ouais, gros, mais si... S'il y en a 5 millions aussi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez. Oh, ils ont vraiment des gueules de mort. Oh, what? Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, ça, c'est bon, ça. Attends, on va y aller après. Il n'y a pas une TP, là? Je n'ai pas vu une TP, non? Elle te fait une soupe d'esque, toi aussi, là. Voilà, ça, c'est la régalade, ça. Ça, c'est la régalade, bébé. Là, on est bien, là. Là, on est plutôt pas mal. Bon, là, je peux pas y aller tout seul parce que je suis... Faut être accompagné. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Bien, 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 bonsoir. Je vous vois. Je vous vois, vous êtes là. C'est quoi, c'est un ennemi, ça? Je te démonte, moi, regarde. T'es pas un fada, toi? Ah, toi, t'es un fada, toi. Toi, je te démonte, toi. Des headshots, frère. Prends des headshots, là. Qu'est-ce qu'il y a? Prends des headshots et tais-toi donc. Espèce de fou. Ah! Un escargot. Un escargot tout chaud. Ça veut dire que... On peut partir tranquillou. Alors, regarde. Putain, merde, il y en avait un là. Quel con. Il est où ce que je viens de mettre là? Ah, faut que je retrouve de quoi monter maintenant. Eh non, on va te faire une soupe là. Allez. On compte sur toi. Ah ouais, y'a rien pour remonter? C'est une blague. Eh oui bébé, regarde, bien sûr qu'on remonte nous. On n'est pas là pour faire du cinéma nous. Oh là là. Détendez-vous là les gars.
Alors il est où? Il est où? Putain, mais dis pas que je suis passé à côté, je l'ai pas vu. Putain, le mec. Le mec il voit rien quoi. Ah ouais, il est là. Ah, il faut vraiment que je le détruise moi-même à la main quoi. Ok, bon. Maintenant celui-là il est en face. Ouais, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu m'entends? Eh oh 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 oh. Putain, mais c'est la régalade ici. Là-bas, on va y aller avec l'escargot, avec le copain. Y'a quoi là? Qu'est-ce que c'est ça? Donc en fait, tout ce que j'ai visité, donc forcément, c'est en blanc. Et tout le reste, c'est sombre, c'est en noir. Donc il y a de quoi. Il y a de quoi faire. Hein. À chaque fois, on voit qu'il y a une espèce de petite plage où je vais sûrement pouvoir. Oh putain. Allez, et ben on va récupérer notre ami. Notre ami Lastikovic. Oh putain, il est loin ce con. Ah non, il est loin, il est pas loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se met un point ici. Hein? Attends, ça veut dire que je peux passer là? Ah ouais, ça veut dire que je peux passer là. Ah ouais, mais ça, j'étais pas au courant, ça, de l'histoire. J'étais pas au courant de l'histoire en fait. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oui, je t'ai quitté toi gros. Et tu vas te détendre toi aussi. Tiens. Bon, pour ceux qui l'auraient pas remarqué, mais il y a zéro temps de chargement en fait. Donc ça c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Depuis tout à l'heure, on fait des TP en mode j'attire le monde à moi et non, je me déplace dans un monde. C'est juste exceptionnel. Voilà, le Raritorium, il est là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux que je te fasse mal ou quoi? Iii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 
Non. Ah ben non, je suis bloqué. Ah, effectivement. Donc quand on est bloqué, on fait quoi? Reprendre les derniers points de contrôle. Ah mais ça, ça pue ça. Je peux vraiment pas me barrer? Non. Il va falloir relancer le jeu. Bah écoute, croisons les doigts pour que... Ouais, je sois pas très loin. Alors. Bah écoute, ça a l'air de... Hein. Voilà, ça a l'air de s'être bien passé. Et bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Faites comme chez vous, n'hésitez pas. Vous êtes ici, à la maison. Il faut juste que je me trouve un escargot. Ah tiens. Ouais, tu vois, donc regarde. En fait, les boulons, ils sont pas super grands. Hein. Et ça, ça me fait un peu chier, en fait, pour être honnête. Oui, un escargot. It's possible to escargot, please. Avec mon accent de fou, là. Comment on dit un escargot en anglais? Là, il y a un escargot. Allez. Moi, il faut que j'aille dans l'autre sens, moi. Ah oh, putain, mais Seb. Pas en couille. Allez. Pourquoi ils sont de ce côté? Allez, c'est pas grave. Ce n'est point grave. On va le refaire passer. Regarde. On va le refaire passer par là. Snail. Ah, ok. Merci. Écoute, au moins comme ça ce soir. Ah, Quadatrax. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon ami? T'as qu'à changer pour les voir mieux. Et escargot en anglais, c'est snail. Ah, merci les copains. Voilà, le coda il vient d'arriver. Donc alors, attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais t'es pas sérieux là. You're not serious, dégage. Allez, c'est parti, c'est qui part. Et oui, il prend un passage secret qui n'existe pas. Aller du bon côté, qu'est-ce que je branle là, mamie? Alors, où suis-je? En fait, aussi. Parce que de là, je vais passer ici. Et je vais récupérer ma petite vis. Dégage. What? Ah, ce jeu est fou. Ce jeu est fou. Ça flotte, Ménard. Bien le bonsoir, ceux qui viennent d'arriver. Salut, salut. Je veux un escargot. Ah, mon escargot, il va être là-bas. Ah, je vais pouvoir acheter une arme, regarde. Le ricochet. Bim, on prend le ricochet, nous, direct. Bien sûr qu'on prend le ricochet. Oh, pas mal. Mais moi je suis quand même plutôt arme classique. Je sais, c'est un peu con, mais... Here we go. Et c'est parti pour un gros boost. Putain, mais il est où en fait? Ne me dis pas qu'il est juste là. Eh, ne me dis pas qu'il est là. Mais non. Voilà, Mino. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que c'est le problème? Oh, mais dégage, casse-toi. T'as fait des potions pour me casser les couilles, là? T'es où? Espèce d'abeille chieuse, là. Le truc dégueulasse. Alors, bien évidemment, nous allons essayer de récupérer celui-ci. Oh,
celui-là, ça va être un peu moins drôle. On va quand même essayer. Attention, on fait demi-tour. Allez, c'est parti. Le nail. Le snail, vous m'avez dit. C'est le snail. Oh putain, sur la plateforme. Oh le con. Donc on va essayer de se poser ici. On va essayer de se poser ici. J'y allais un peu à l'arrache. Hein. Allez, d'accord. Il est où? Il est là-bas. Bon, j'aurais peut-être pas dû me poser là en fait. J'aurais pas dû me mettre ici. À moins que je puisse créer un pont. Merde. Merde. Ah, ça je crois que je l'ai déjà activé, non? C'est vrai? Ah, ça j'ai déjà activé, je suis pas con. Je l'ai déjà activé quand même. C'est pas grave, on va rechercher un snail. Lui il dort. Lui il dort. Et là. Il y a un escargot là-bas. On va pas le réveiller, on va le laisser. Ah vas-y, il s'est réveillé là. Ça fuck a bitch. Laisse-moi tranquille. Tiens. Non, laisse-moi tranquille. Tu ne m'as pas vu. Donc on a dit ici. Allez, c'est parti mon poteau. On va faire le tour. Hop, hop. Donc ce qui veut dire que il va falloir que je trouve un endroit où me poser en fait. Aïe aïe aïe. Oh la chatounette. Et là je peux pas me poser là par là. Mais voilà. Et voilà, qu'est-ce que tu m'as gonflé là. Eh oui, Mino. I'm happy. Le mec il gruge. Et voilà, Mino. Qu'est-ce qui se passe au fin fond de l'espace? Et bim. Oh, le mec, c'est un escroc. Ah donc on me dit dans mon oreillette que je peux est-ce que je peux améliorer la grosseur des écrous et des boulons. Alors alors qu'est-ce que ça dit ça? Ça s'emballe le steak. Affichage tête haute. Accessibilité. Non, je pense pas. Option visuelle. Non, 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 non. Ah, taille des icônes. Bien joué. Bien vu, bien vu. C'est plutôt bien vu. D'accord. Bon, on va voir ce que ça fait. Hein. Bien joué le Koda. Parfait. Au top. Forcément, le Koda. Il est toujours au top, le papa. Donc, il y a ça à récupérer maintenant. Et moi, il me faut. Moi, il me faut un escargot. Il me faut un escargot. Bon, j'espère que le jeu vous plaît. Moi, franchement, je surkiffe. Attends, qu'est-ce que... Amélioration.
Alors attends. Pistolet. Moi j'aime bien, je suis très basique. Voilà, donc logiquement. Coup 1. Je prends. Moi celui-là je vais l'améliorer. Le flingue, toujours. Alors, c'est quelle marque ta chaise gaming? Celle-là, je sais pas trop. Donc, en fait, si tu vois, donc j'en ai une autre derrière. Donc, celle que j'ai derrière, c'est la de chez GTX, donc de chez Trust Gaming. Voilà. Mais celle que j'ai actuellement sur laquelle je suis assise, c'est un collègue qui me l'a donnée. Oh, Voilà. désolé, pas Donc, dans je pourrais cette pas te dire de marque. configuration disponible actuellement. Toujours écouter les conseils du papa. Ouais, le flingue. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu vois, elle est baquée de partout. Elle est baquée au niveau des épaules, au niveau des lombaires, au niveau des cuisses. Et puis ça, c'est un petit coussin que mon frère m'a offert. Donc franchement, je suis plutôt bien assis, tu vois. Bon, faut dire que je suis pas mal équipé. Hein. J'ai un petit micro sympa là devant moi, donc j'ai un double écran webcam 1080p avec un bel anneau de lumière que tu vois dans mes lunettes. Voilà. Donc ça va. Honnêtement, ça va. J'ai fait au fur et à mesure, un petit investissement, et puis voilà, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent. Allez. Cette Alors, double amélioration tir va ardent. te plaire. Et bien sûr, bébé, à un moment donné, il va falloir. Ouais, du bois là. Tu as Bon, déjà c'est plutôt cette pas mal. amélioration? On est plutôt pas mal. Donc, on va se Oh, tu barrer. pars déjà? Je pars déjà à un moment donné. Il faut bien que je me casse, non? Qu'est-ce qu'il me faut, moi? Ah, il me faut un escargot. Un escargot. Donc, un escargot, il serait potentiellement là. Mais je peux pas aller le chercher. Ah, oh, putain de merde. Comment je vais faire pour me TP jusqu'à là-bas, moi? Ça, c'est quoi? C'est les caisses, hein? Non. Ouais, non, la chaise gaming, ouais, donc c'est. Ben, je pense que tu le connais, c'est Thierry du boulot. Voilà, qui me l'a faite à 30 boules. Il faisait un petit vide-grenier pour justement vider sa maison. Donc, ben, je l'ai récupéré à 30 boules. Je pense que j'ai fait une bonne affaire. Il n'y a pas moyen d'avoir une petite TP quelque part, là, les amis? Non? Tout le monde s'en bat les couilles? Ok, super. Donc. Donc on va essayer de faire un truc à l'arrache. Ok, Marseille. Voilà. Ça c'est vraiment un coup à la Marseillaise. Ça c'est du grand nawak. Ah là par contre, ouais, ça va être un coup de... Non. Ça passera pas. Petit escargot. Où est-ce que je peux te choper? Parce que là je suis dans la merde si j'ai pas d'escargot. On est d'accord, les enfants. Très bonne affaire, même. Il est parti au Canada. Non, alors en fait, il devait partir le 25. C'est pour ça que je lui ai envoyé un message tout à l'heure. Et il part que le 30. Il y a encore un petit problème avec les papiers. Mais voilà, ça ne saurait tarder. Il n'a pas de chance, le pauvre. Mais voilà, je croise les doigts pour lui. Voilà, parce que malheureusement, ça se complique un peu. Mais voilà, il est sur les bons rails, il va y aller, il va y aller. Ah, c'est sûr, hein, t'sais, les papiers et tout. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Ouais, non, c'est pas évident. Hein. T'sais, moi je l'ai fait, donc il te faut toujours un papier et il t'en manque toujours un. Et ça, c'est le classique. Tu sais, c'est bienvenue dans l'administration française. Il te manque toujours le formulaire A, le formulaire B, le papier rose. Il te manque toujours une merde. Alors, attends. Oh, mais dis-moi. Huche! Je sais pas ce que j'ai fait, mais est-ce que je suis dans ma légalité de passer par là? Parce que là. J'espère que tout se passera bien pour lui et sa famille. Ouais, mais en plus, maintenant, il est chez les beaux-parents. Donc là, c'est un peu plus complexe, on va dire. Parce que ça y est, ils ont vendu la baraque et tout. Donc voilà. Donc, ouais, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, je.
Je me fais pas trop de soucis, ça devrait le faire. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, détends-toi toi là-haut. Bon, tu crois qu'on va y arriver à récupérer cette pièce là? Ah, regarde, c'est pas beau ça. Allez à l'usine. Ah merde, c'est une TP. C'est une TP. Ça c'est quoi ça? C'est une poche dimensionnelle. Merde. Je l'ai loupé. J'aimerais bien aller dans ces coins là. Parce que dans là j'ai 2 vis sur 3. J'ai une pièce sur 4. Et j'ai pas trouvé ça là. Bon, c'est pas grave, on va faire une petite TP. On va aller à l'usine, on va voir ce que ça donne. Regarde ces trucs violets dans le ciel. Ah mais c'est là l'usine. Thème. Qu'est-ce que je fous là, putain de merde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller ici. On va essayer d'aller ici. On va voir si sur cette petite île il y a de quoi attirer la curiosité. Alors faut que j'aille où? Toujours tout droit. Ben j'aime bien moi aller tout droit. Moi c'est parfait, ça casse pas les couilles. Tout droit c'est simple. Alors moi j'aime bien faire des gros petits checks quand même. Ah c'était tout droit quand même, mais un petit peu par là en fait. Donc ça serait potentiellement sur cette île. Ça serait même là exactement. Ben ouais Mino, c'est exactement là. Ok, NIS cargo, on va l'activer. Voilà, parfait. Au moins comme ça, ça c'est fait. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On peut pas faire grand chose ici. Non, détends-toi. Tu vois, on peut peut-être des fois faire bugger le jeu. Ça, j'aime bien ça. Alors, on va aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin. Non, il se passe rien. Il se passe rien. Ok. Il n'y a rien sous cette île, quoi. Je suis arrivé quasiment full. Eh ben j'ai envie de te dire. C'est pas la joie sur cette île, il se passe vraiment rien quoi. Putain là j'ai fait. J'ai pas fait là. Voilà, ça dégage. J'ai plus besoin de ton marqueur. Donc, en fait il me reste. En gros il me reste ici. Il me reste l'arrière-boutique là, à faire ici. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? L'arrière-boutique, il me restait 2 petits morceaux d'huile. Le problème, c'est que je peux pas mettre de... Je peux pas mettre de petite épingle, il faut vraiment que j'aille... à la boussole, j'ai envie de te dire. Oui, Dieu sait que la boussole est moi. Ça fait 12. What? Comme ça, tu vas pas exploser. À quel moment tu déconnes? Ouais, je suis un petit peu le spécialiste pour foutre la merde dans les jeux là. Et pour les faire déconner. Mais c'est pas grave. Alors. On se dirige droit vers pas la bonne direction. Donc. Nous, on va changer d'air. Et changer d'air, c'est faire ça en fait. Voilà. Donc là, maintenant, on va prendre à droite toutes. Et on va essayer de voir ce que nous cache potentiellement le game. Ah, là, on a vu, il y a une île, là. Ah, je peux y aller, là? Il va pas se cracher. Putain, le bâtard. Il s'est craché, le bâtard. C'est reparti, Bokiki. Allez. Putain, il se régale, le mec. Le mec se régale. Alors.
On passe ce premier élément. À droite toute. Oh, t'imagines, tu fouettes un escargot pour qu'il aille plus vite. Ok, tout va bien. Alors les copains, on va où? Potentiellement, il y a ça. C'est là-dessus qu'il faut que j'aille, là. C'est Fork Beach, là. Il faut que je me trouve une petite place pour poser mes fesses sur cette île, là. Ben voilà. Ouais, prends pas pour un con, à un moment donné, tu peux pas y aller, là. Putain, je m'obstine pour rien, quoi. C'est tombé. Putain, je me mets la race pour rien, en fait. Mais c'est pas grave. Eh bien, le bonsoir, vous êtes 11 sur le chat. Merci, les copains, ça fait zizir. Ouais, donc, si vous me voyez avec des lunettes un petit peu orangées, en fait, c'est mon partenaire. Que vous pouvez voir en bas à gauche, qui s'appelle Horus X Gaming. Et en fait, c'est simplement des lunettes anti-lumière bleue. Donc ça, c'est cool. Donc ça fait moins mal aux yeux pour jouer. Donc vous pouvez aller sur le site de Horus X Gaming et vous entrez le code au moment de payer Ma Vie de Geek 15 et vous avez 15% sur tout le site. Donc ça, c'est plutôt classe. J'ai envie de te lire. Bon, gueule de mort là. Comment on fait pour y aller sur ce putain d'île là? Ou alors d'ici? D'ici je saute, tout ça et tout, je fais un peu un gros bordel. Boah, je sais pas, j'ai envie de te lire. Le mec il est un peu relou quand même. Allez go. Donc là on va aller à fond à gauche. On va passer ça. À droite toute. On va passer ça aussi. Et puis là on va tourner. Sur quel site le code promo? C'est sur Horus. Alors attends, je vais vous le donner directement. Alors attends. Donc on va en se prendre deux petites secondes. Grosso modo, on va faire un petit copier-coller. Ouais, vous me regardez checker vers l'eau, mais voilà. Donc là avec le code promo avec que je dise pas ça. Vous faites un copier-coller de ce petit code promo et genre vous avez moins 15% sur tout le site. Donc c'est plutôt classe. Autant en profiter, j'ai envie de te dire. Attends, je vais où là? Je fais n'importe quoi, je sais pas où je vais, mec. Oui, il slalom. Ah, il fait n'importe quoi. Oh, mais il passe. Il s'en sort, la chatte. Alors, attends. Donc là, je fais ça. Faut-il encore que je puisse atteindre l'autre rive? Mais d'accord que ça va être... Ça va être encore un coup d'embrouille. Je pense qu'en fait, il faut que je fasse que des coups d'embrouille dans ce jeu. Il faut que j'exploite un petit peu les... Comment on appelle ça? Les rebords et tout, là. Ça part trop en couille. Là-bas, il n'y a pas rien, là-bas? Ah, là-bas, il y a une putain de grotte. Je l'ai même pas vue. Là-bas, il y a une grotasse que j'ai même pas vue. Oh, what is this? On va se faire plaisir. Parce qu'au final, depuis tout à l'heure, on promène, mais c'est bien gentil tout ça, mais ça va être sûrement une faille. Et voilà. Oh, belle. Ça a commandé une paire de lunettes. Eh bien, écoute, frère, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, voilà, franchement, tu verras. Je te montre celle que j'ai. Alors, je vais me rapprocher, je vais te les enlever. Donc, voilà, pardon, excuse-moi. Donc, là, c'est là, tu vois. Donc, franchement, elles sont vraiment hyper stylées. Voilà, donc, super légères et tout. Franchement, tu peux te faire plaisir. Ben, écoute, c'est moi, hein. Tu sais, en ce moment, je suis partenaire avec eux, donc, faut profiter. Voilà, tu tapes Ma Vie de Geek 15.
dans l'onglet code promo, tu l'appliques et puis tu as moins 15%. Donc franchement, tu te fais plaisir, quoi. Voilà. Ça fait plaisir, copain, de faire plaisir. Ouais. Ok. Mais encore. Ah, mais bien évidemment. Bien évidemment que ça tombe dans le trou. Nouvelle destination, entrer dans le vaisseau. Alors, si on fait ça, ça fait quoi? Ça, je suis d'accord. Ah tiens, on entend plus les avions là qui passent. Est-ce qu'on entend les avions qui passent? Voilà, potentiellement, j'ai essayé de vous épargner un petit peu le gros bordel des avions qui passent, parce que ouais, j'habite dans la ville de la patrouille de France. Eh, donc on va te dire que ça nous débrise un peu. Voilà. Alors, attends, donc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça, je suis d'accord, mais je ne pourrai jamais atteindre. Je ne pourrai jamais atteindre ça là-haut. Il me faut un quadruple saut, je sais pas moi. Ah ben non, regarde, putain, il chauffe trop con. Hop là. Oh là là. Ok, faut faire très attention. Oui. Tu vois, ça quelqu'un. Je peux montrer ça à quelqu'un, moi. C'est pas malade, lui. Eh, c'est un malade, lui. En tout cas, merci. Merci, le papa. Tu régales si tu prends une petite paire de lunettes. Ça fait plaisir. Hein. Le partenaire va être content aussi. Voilà. Alors. Si on fait ça, ça fait quoi? Magnifique! Une nouvelle pièce, voilà. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'on peut se casser potentiellement. Allez, regarde, bim, on envoie la faille. Et puis, ouais, mais encore. Ah, je n'avais point vu que c'était par là la sortie. Autant pour moi. Magnifique. Non, allez. Là, je peux aller potentiellement tout droit. En fait, je vais le faire complètement au feeling. Ah, là, putain, là, j'ai une faille. Je découvre. Le mec découvre, quoi. Le mec découvre Ratchet & Clank. C'est... It's amazing, j'ai envie de te dire. Parce que là, si je me TP ici, ça va où? Oh, putain, mais c'est parfait, ça. Ou ça veut dire qu'il va y avoir un gros connard, là. Allez. En tout cas, je suis bien content d'avoir acheté une PS5 et d'avoir trouvé surtout une PS5. Voilà. Parce que comment vous dire que la chance était avec moi ce jour-là. Oh, mais détendez-vous les gars, vous gonflez. Ok, je suis là. Je vais essayer d'aller ici. C'est-à-dire qu'il faut aller légèrement sur la gauche. On va essayer de faire ça de façon plutôt structurée. Allez. Il va y avoir un bâtard, je sens, qui va sortir de je sais pas où. Mais je l'attends au tournant. Y'a rien là-haut? Le mec, le spécialiste du fou la merde des bugs. Ah, voilà. Faut pas déconner quand même. On est d'accord qu'il y avait un putain de jams. Ça, c'est pas cassé, ça. Non, c'est pas cassé. On est pas mal, là.
Donc déjà, ok, je peux faire un return parce que j'ai une faille de retour, ça c'est cool. Ça c'est plutôt chouette. C'est bizarre parce qu'il y a quand même plein de petits murs. Je sens l'entourloupe, tu vois. Je sens que je vais aller jusqu'au bout, il va y avoir un truc qui va sortir. Derrière les fagots. J'ai pas vu un truc là. Non. Puis ouais, n'hésitez pas sur le chat. Donc vous cliquez sur le lien de horusx.com. Puis vous utilisez le petit coupon MavideGeek 15 et vous avez 15% sur du matos pour protéger vos yeux. Donc je pense que c'est plutôt cool. Donc vous avez celle que j'ai sur le nez, hein, mais voilà, sinon il y en a d'autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? J'ai tout. Eh, tais-toi donc, j'ai tout là, qu'est-ce que tu m'énerves? Ça c'est ok. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On va faire ça. Bon, de toute façon, je pense qu'à un moment donné, il va falloir toutes les upgrader, donc on va pas se faire chier à savoir laquelle, pourquoi, comment. Voilà. Améliore ça. Et bien sûr que j'améliore, moi. Je suis toujours là pour améliorer les armes, moi. Bon, dans le chat, qui a une PS5? Je pense que déjà, le Nico, il a récupéré la sienne. Je pense qu'il est un peu à fond. Parfait, et il m'en reste plus qu'un. Voilà, je n'en ai plus. Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Allez. Donc là-bas, je peux pas y aller en fait. Et là, il y a quoi? Il y a une espèce de grosse bestiole qui fait du bruit là. Je vais m'énerver. Parce que faudrait que j'aille là-haut. Sauf qu'en fait, je pourrais jamais. C'est commandé, écoute. Merci, papa. Alors, ce que tu feras, c'est que. Est-ce que tu as bien eu les 15% de réduc? Ah, voilà, avec le petit col, bien évidemment. Donc, à la limite, ce que tu fais, c'est que je vais. Attends, regarde, bouge pas. Si je peux t'envoyer un petit MP. Est-ce que je peux t'envoyer un petit MP? Chuchoter, je t'envoie mon adresse mail. Je t'envoie mon adresse mail par petit message privé. Voilà. Et à la limite, si tu pourras juste m'envoyer ta facture. Comme ça, au moins, ça me fait preuve à moi d'un achat avec mon petit code. Merci, le fils. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, écoute. J'ai vu qu'il y avait... Qu'est-ce que je vais tenter, putain. Je vais tenter de passer directement ici pour récupérer ça. Là. Ça, je peux pas le laisser passer, ça. C'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas le laisser passer. Allez. On y croit, on y va. Alors, attends. Mais dis donc, fais-toi plaisir, Seb. Fais des petits rototos. C'est la fête du slip. Et eux. Bon, il faut dire qu'elle, elle a quand même retrouvé et potentiellement enlevé mon compagnon de route. Donc, ça, c'est pas très gentil. Putain, faut aller de l'autre côté de cette. Allez, on va utiliser l'escargot. Hein. À l'ancienne, je suis obligé d'utiliser le petit escargot. Allez, viens. Viens, petit escargot. On va se faire plaisir. Donc, tu vas dans quelle direction? Tu vas par là. Et nous, on va aller par là. Eh bien, écoute. Je vais te suivre. Hein. Alors, je sais pas si je pourrais... Parce que là, bordel... Ah, j'aurais peut-être pu atterrir sur la plateforme. On va faire le tour d'ici, voir s'il n'y a rien.
Ça pue. Ça pue ou ça pue. Putain, j'ai rien, quoi. J'ai rien pour pouvoir décoller à moins de ce rocher-là. Je sais pas, non. Ça, forcément, c'est sûr que je peux pas monter ici. Ah ouais, je peux monter. Non mais attends, mais là fallait pas me donner la possibilité de faire ça, mec. Donc ça veut dire que là, avec l'escargot... Avec l'escargot, tu peux aller là. Ouais, Marseille. Ça envoie, Bibi. Écoute, regarde. Tu sais comment c'est action-réaction, hein. Le Nico. On va checker ça. Et bien évidemment, petite réduque bien sympathique en plus. Hein. Merci, hein. Voilà comme quoi, donc vous pouvez y aller les amis. Hein. C'est totale confiance, ces petits sites. Ces petits sites des copains. Horus X Gaming. Donc voilà, Nico vient de faire un petit achat. Et je t'en remercie mon ami. Ça fait plaisir. Alors, on a vu que je pouvais... Attends, on est d'accord que... Donc, je peux monter cette espèce de rocher. On va le tenter. On est là pour tenter des choses à un moment donné. Il faut pas non plus déconner. Donc c'est un truc là, franchement. Non. Où suis-je? Oh, je t'ai fait n'importe quoi. Y'a rien en plus, je présume. What? Mais c'est pas là que je voulais aller. Oh, le mec. Il te trouve. Attention, les avions repassent. Je sais pas si vous les entendez. Mais bon, c'est pas grave. C'est les joies de l'aventure salonnaise. Ok. Ben c'est pas là où je voulais aller, mais j'ai pu voir du pays en tout cas. C'est cool. Donc ça veut dire que, attends, si ce rocher c'est pas là, c'est où concrètement? C'est légèrement sur la gauche. Ah ben c'est ça en fait. Eh non, mais tu déconnes, non? Ça veut dire que je peux atterrir sur cette plateforme. Je vais le faire de suite, Mino. Mais alors, de suite je le fais. Bon, en tout cas merci, hein. Vous êtes super sympa de rester sur le live là. À me regarder jouer un peu n'importe comment. Parce que bon, pour ceux qui me connaissent, je... Faut que je récupère tout. Voilà. Oh, what? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, vous êtes sérieux là? What? Bon, sans faire exprès, je viens de te faire un enchaînement. Trop bien. Et bon, je récupère rien, bien sûr. Eh ben non, eh ben y a rien. Super, j'ai fait tout ça pour rien. Putain, la tristesse, quoi. La tristesse. J'ai fait tout ça pour rien. Je suis ravi, tiens. Je suis ravi. Oh, je me suis dit, il va y avoir un méchant objet, tout ça. Y'a rien. Là, dégage, je vais même pas attendre de parler de ton rail, toi. Putain, mais cette vaste blague, quoi. Il n'y a strictement rien.
Magnifique. Là, je peux. Il n'y a même pas de truc, rien. Ah, mais les gars, si c'est pour faire ça, ça sert à rien, quoi. Putain de merde. Et je fais comment pour retourner là-bas, moi? Comment je fais pour retourner là-bas, moi? Le mec, il promène. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que je retourne quelque part. Allez. Wow, it's amazing. Voilà. Donc ça veut dire que je vais devoir voler jusqu'à là-bas. Eh non, mais non. Non, 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 mais pas du tout. Ok. Super, il n'y a strictement rien. Il y a strictement rien. Franchement, magnifique. Ah ouais, en plus, genre, je recommence là. Ah bah forcément, ça veut dire qu'il y a un truc. Qui c'est dans le chat? Je suis preneur, hein, bien évidemment. À moins qu'il faille activer un truc. Je ne sais pas quoi faire, putain de merde. Eh ben écoute. Non. Ceux qui ont une idée dans le chat, je suis preneur. Mais là... Là, je vois strictement rien à faire. Oh, les avions, vous me les brisez. Je peux aller là, potentiellement. J'ai même pas de truc de TP quoi, c'est ça qui est fou. Bon écoute, on va le faire à la Seb. Voilà, on le fait à la Seb. À la mode je m'en bats la race. Quoi, je vais où là? Je suis sur une île inconnue. Je suis sur une île en dehors du jeu. C'est bien ça. Ok. Ah ça c'est les limites du jeu. Bon ben les copains, je suis un peu dans la merde là. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que il y a obligatoirement quelque chose à faire sur l'espèce de plateforme là. C'est une blague. C'est une grosse blague. Oh, ça m'a saoulé. Franchement, je vois pas. Mais non. Ah ouais, si ça me remet là, c'est chaud. Attends. Mais on va pas sur l'île. Merci. Alors. Il me reste ça. Et ça.
Et après, on se barre parce qu'à un moment donné, c'est bon, quoi, j'ai envie de te dire. Il est un peu plein de fion! Allez! On y croit, on y croit. C'est celle-là, de faille, que j'ai pas faite? Est-ce que c'est celle-là de faille que je n'ai pas faite? Celle-là, elle est faite. Il faut faire celle qui est où? Eh ouais, moi je la ferais bien à pied celle-là, mais putain. Ah, là c'est juste ça me brûle. Ok. C'est-à-dire que là. C'est-à-dire que là, en fait, là, on fait le seb, là. Cela, on va jusqu'où, là? Ah, faut revenir par là. On va y arriver, on va y arriver. Bien joué, ça. Ah, je peux y aller, là? Non, je peux pas y aller. Escargot, c'est beau la vie. Allez, on y va. Allez. Là. Oh putain, je vais où là? Ah, je vais n'importe où, je fais n'importe quoi. Chier là. C'est pas compliqué n'empêche. Là je vais passer par la gauche. Je vais passer par là. Voilà, là si je suis là je fais quoi? Je longe sur ma gauche. On est d'accord. Voilà, je longe. Je devrais pouvoir contourner ce putain de rocher là. Ou alors je passe par là. Mais là, mais comment te dire là? Oh Marseille! Ah voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. Attends, il faut que j'arrive à. C'est pas le bon côté de la faille ça? Ça veut dire que c'est de l'autre côté, il faut que j'aille. Non, c'est une blague. Faut que je passe par là. Ah ouais. Ah bravo. Quel con. Oh nice. Poche dimensionnelle. Ok. Elle est où la connerie là? Elle est où la connerie? Pas trop d'ennemis pour le moment. Ah non, on va te faire une soupe. Forcément, il n'y a pas de map. Eh ouais, forcément, il n'y a pas de map. Donc, il va falloir trouver le bon chemin. Il va falloir trouver le bon chemin, le bon élan. Pour pouvoir monter. Ok. Alors, est-ce que par là on est bon? Alors par là on est pas mal. Allez, ok, par là on est pas mal. Ouais, mais. Mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais en fait. Ça, je reviens.
Non, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, donc il faut continuer. On va le trouver, on va le trouver. Parce que forcément, il y a un truc caché au bout. On n'est pas con. Allez. Mais il est là. Genre le truc il est devant toi, tu sais. Ok. Un casque. Donc je vais pouvoir m'équiper d'un casque. Et je peux changer sa couleur aussi. Je crois que je l'avais mis comme ça l'autre. Ok, nice. Déguisement. Tu trouves que ça me boudine? Eh ouais, merci, merci. Le GG, la chance. Changer de couleur. Non, c'est ça. Et là, pour le moment, on n'a rien. Ranger Galactique. Eh ouais, c'est moi, Mino. La petite couleur, j'avais mis ça. Donc, pour le moment, on est plutôt pas mal. Regarde. Il n'y a pas rien, là. Belle dégaine. Hein. Allez, casque, ok, déguisement de robot. Bah écoute, on est pas mal. Et là, faut que je prenne l'escargot. Et là, je peux rentrer. C'est par où déjà? Ah bah c'est en face, je suis con. Allez, c'est parti. On va pas se faire prier, on va donner. On met les gaz. Les ballons, mais mort. Ça améliore quelque chose les tenues? Bah, apparemment, ouais, ils disent que équipé ou non équipé, ça t'améliore un petit peu. Ça te fait genre des boosts. Tu vois, on peut les jeter un oeil. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Dégâts au corps à corps augmentent de 5% et dégâts pour les sbires de Nefarious réduit de 10%. Donc, écoute, je pense que tu vois, regarde. Voilà. Ou c'est juste de l'esthétisme. Le mémèze, effectivement, à un moment donné, ça te donne des boosts, quoi. Et ça va, papa, écoute, ça y est. Donc là, aujourd'hui, j'ai ramené ma chérie à la gare, mais ça y est, officiellement, vendredi prochain, je finis le job. Et j'ai loué le camion pour le 9, 10 et 11 août. Voilà. Donc le 10 au matin, très tôt, je décolle. Et puis, fin d'après-midi, je serai un aigre montois dans le 78, papa. Bien évidemment. Voilà, ça fait plaisir. Donc ouais, donc écoute, ça va. Voilà, on y va doucement, mais ça va, ça roule. Tout se passe bien. Faudrait que j'aille sur cette île. Bon, et toi, comment va? J'espère qu'il fait pas trop chaud à Aigremont. Enfin, gros monde, qu'est-ce que je dis des conneries, moi. Il fait pas trop chaud là où tu es, quoi. Toi, t'es plutôt de l'autre côté de Paname. Eh ben, merci. Merci, ça fait zizir. Eh, vas-y, là, va te faire une soupe, là. Si je fais ça. Voilà, en ce moment, ça bosse, il fait trop chaud. Ouais, je confirme qu'il fait trop chaud. Tu sais, aujourd'hui, chez nous, il a fait un petit 34 ou 35 à l'ombre, tu vois. Je pense que... Comment te dire? Que ouais, il fait un peu chaud, ouais. Ouais, détends-toi, toi. Ouais, il fait un peu chaud, donc franchement, c'est juste un peu abusé. La température, c'est la folie. C'est du grand, grand n'importe quoi, mais bon. Là, et ma chérie, là, les 2-3 derniers jours, impossible de dormir. C'était horrible. Vivement l'automne, hein, parce que moi je supporte pas le temps d'ici là, j'en peux plus moi. Donnez-moi un peu des nuages, donnez-moi un peu de fraîcheur. Non. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je reçois un petit message. Ah forcément, je reçois un petit message de mon amoureux, ça fait toujours plaisir. Donc on va lui envoyer une belle petite photo, on fait ça en direct, regarde. Là, on est tranquillou. Je vais lui envoyer
Alors aujourd'hui, on a sué du cul tellement. Arrête, ça va te manquer ce temps, mais t'es fada ou quoi? Alors attends, je vais envoyer une belle photo là. Attention, je fais la photo de la photo. Voilà bébé, ça c'est fait ça. Ah, t'es fada ou quoi? Les cigales, j'en peux plus, le soleil, j'en peux plus. C'est du grand n'importe quoi, j'en peux plus de tout. Merci à ceux qui viennent d'arriver les gars, ça fait plaisir. Vous êtes une petite dizaine, franchement, ça fait zizir. Alors, rien que pour ça, on déclenche l'escargot. Pourquoi je déclenche de ce côté d'ailleurs? Moi, je veux partir de l'autre côté, regarde. Je veux partir là, moi. Voilà. Mais non. Moi, je viens d'où? D'après mon accent, je pense que tu peux savoir d'où je viens. Et bonsoir, dans un premier temps. Allez. On va essayer de tracer directement là, mais est-ce qu'il va prendre le mur? Eh non, il prend pas le mur, Minoru. On prend jamais le mur, nous. Ah ouais, c'est là où j'ai vu que je pouvais, j'avais pas de potentiellement de possibilité de monter. Alors que mon téléphone est en folie. Putain, mais c'est fou que je puisse pas. Je peux pas trouver un point d'accroche. Ça me rend fou. Je vais débarquer ici, mais bon, c'est pas trop ce que je voulais faire. Ah, attends, j'ai une idée. Toujours une petite idée, le Seb. Une idée derrière la tête. Parce que si je fais ça. Alors, ça marche pas. Les idées sont pas très bonnes en ce moment. Hein. Donc, Anna, ben, tu penses bien que je suis du fin fond du sud. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, on va détendre les notifs, là, les amis, parce que là, il y a un peu trop de notifs, dis-moi donc. Alors, plus tard dans le jeu, tu auras moyen de monter. Ah, voilà, merci. Parce que là, tu as vu, je m'acharne un peu pour rien, on va dire, parce que tu sais que moi, je suis. Tu vois, je voulais au moins atteindre ces deux plateformes pour pouvoir choper ce qui me manque. Donc écoute, on va retourner tranquillement ici. Parce que forcément, c'est de là d'où je viens. Donc, attention, on va le faire à la Seb. Alors, le faire à la Seb, c'est quoi? Le faire à la Seb, là, ça marchera pas là. Ah, qu'est-ce que je suis con. Bref, c'est pas grave. On va utiliser notre ami l'escargozovitch. Qui est où d'ailleurs? J'en ai pas là ici d'escargozovitch. Alias Jean-Pierre. J'en ai pas là. Mais donc dans mon oreillette, on me dit que je pourrais y revenir plus tard. Donc on va suivre. Bien évidemment. Non mais gros, il faut bien que je me TP quelque part. Bon écoute, et on va repartir à l'ancienne, on va chercher ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Alors, le petit escargot, tout chaud, lui va se réveiller parce qu'il m'a vu. Bien évidemment. Ah, t'es là, gros. Alors, où c'est que par où on pourrait passer? On va passer par le tunnel de la mort. Et oui, c'est une attaque, c'est un sprint incroyable. Hop. Nous sommes où? Bah, nous sommes bientôt arrivés, j'ai envie de te dire. Ah non, c'est pas une très bonne idée de passer par là. Putain, je suis où là? Oh, dis-moi, mais je me perds un peu là. Pas très concentré, il faut dire. Ah, j'ai un freeze de ma console. J'ai eu un petit freeze de ma console, magnifique. Tout va bien, ça se passe bien. Ou peut-être de mon logiciel de stream. Il faut aussi, tout remettre sur la console, bien évidemment. Voilà, on va passer par là, les copains, si je peux. Est-ce que c'est une pièce transversale?
Mais bien sûr, c'est une pièce transversale. What? Eh oui, Mino. Quoi, la PS5 freeze? Non, c'est une blague. Je pense tout simplement que c'était mon log de capture. Il est un petit peu chaud, on va dire. Ça arrive, c'est comme on dit, les aléas du direct. Je suis pas déjà venu ici. Ouais, je suis déjà venu ici là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, je suis déjà venu ici là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le mec, il fait quoi? Il se promène quoi? Point, il se promène. Allez. Alors. Comment dire, bon François, où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah ouais, mais là c'est bon là. Voilà. Les avions? On les entend un peu, non? Je sais pas. Ça me casse les bonbons, ces putains d'avions là. J'ai un peu plus quoi. Allez, donnez-moi une TP. Ah voilà, parfait. Une petite TP qui va bien. Par exemple. Non. Putain, c'est trop loin. Putain, il y en a une là. Eh ben dis donc. Galère un peu le Seb. Allez, ça fait combien de temps là? On est à 1h52 de stream déjà. Eh ben dis donc, je prends juste deux petites minutes quand même. Je vais voir si tout va bien, si ma femme, tout se passe bien dans le train, c'est important. Voilà, c'est bien beau le jeu vidéo, c'est bien beau de streamer, mais à un moment donné, il faut aussi voilà, prendre un peu des nouvelles. Hein. Eh ouais, mais mort. Allez, on se barre. Donc, on n'a toujours pas recroisé Ratchet d'ailleurs, parce qu'à un moment donné. De quoi s'agit-il? Oh, j'ai envie de te lire. Fantôme. Alors je vais peut-être vous repartager un petit peu le partenaire que j'ai actuellement. Membre de la résistance, j'envoie la liste de cibles de l'empereur sur le réseau. Vous pouvez aller sur ce site. On a une dimension à sauver avant que l'empereur nous trouve nous aussi. Et en rentrant ce code de magique, vous avez moins 15% sur tout le site actuellement. Donc voilà, donc vous pouvez avoir entre autres ces paires de lunettes qui sont anti-lumière bleue. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Pour gamer un petit peu plus longtemps. Champ de débris de Skartsu. Oui, ok. Trouver la pièce nécessaire pour réparer Clank. Allez. Bien évidemment, on va avoir un micro temps de chargement qui va être inclus. En fait, dans les. Comment on appelle ça? Dans les scènes cinématiques. Qu'est-ce que tu penses? Clank. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, je me sens un peu responsable de tout ce qui arrive. C'est alors, peut-être à cause de moi que les dimensions ont commencé à s'effondrer. En tout cas, je voulais aussi remercier mon ami Nico qui s'est fait un petit plaisir. Il a acheté ce soir en live une petite paire de lunettes chez le partenaire. Ça fait zizir. Alors Mémèze, je sais pas si t'es toujours là, mais est-ce que t'as vu ma petite cam là? J'ai trouvé une petite cam à 7€. Incroyable, il y avait une grosse promo, il y avait que des commentaires positifs. Donc je suis bien content, tu vois. Une belle petite cam avec un éclairage un petit peu tamisé et tout. Moi je trouve ça stylé, tu vois. Bon, on est d'accord que dans 3 semaines, un mois, je vais avoir une pièce quasiment dédiée. Qu'on appelle ça? Au stream, ça va être cool. On va s'organiser bien comme il faut chez la chérie pour pas déborder de partout là, pas arriver dans le salon dans je ne sais quoi. What? Voici l'arène bistronomique de Zurki. S'il y a un endroit où on peut trouver la pièce qu'il te faut, c'est bien ici. J'espère que tu as raison.
La destruction du dimensionnateur semble avoir causé une sorte de cataclysme dimensionnel. Ces jeunes ils sont pas très très beaux. T'en fais pas, Boulon. On va te réparer ça. Ah, c'est vrai que j'ai mes super chaussures. On va pas trop s'éloigner quand même, hein, parce qu'on va quand même faire étape par étape. Est-ce qu'il y a une pseudo-map? Ouais. C'est quoi ça? C'est mon vaisseau ça? Alors, putain, c'est beau. Hein. C'est plutôt très joli. Hein. Alors, je soutiens mon streamer. Très très bon, hashtag je soutiens mon streamer. Putain, c'est beau. C'est beau la communauté. N'hésitez pas à partager les amis, hein. Ça fait toujours plaisir. Un petit soutien, un petit clic, un petit j'aime, c'est toujours plaisant. Allez. Un petit portail. J'ai l'impression que ces plateformes flottantes déraillent. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Oh, ben belle. Du raritarium. Niveau 2 fois qu'une. D'accord. Voilà, on enchaîne. Bah, faut pas déconner parce que là, faut compter. Bon, ça, on a le petit bip. Voilà, on a le petit bip. Oh! Mais non! Mais que c'est très très mal joué! Mais il est vraiment pas bon! Salut à ceux qui viennent d'arriver! Putain, les gars! Qu'est-ce qu'il est pas bon ce streamer! C'est des petits bips et tout, genre pour lui indiquer à quel moment ça tourne. Mais non, le mec, il est super pressé! Voilà, prends ton temps. La moulasse. La moulasse. Yes, allez. Force Quark, un nouveau casque. Ok. On va tester ça, parce que celui-là, je le kiffe pas trop de casque. Salut, salut. À ceux qui viennent d'arriver, bien le bonsoir. Ah. Ouais, d'accord. Marseille, qu'est-ce que c'est ce truc de fou là? Ça n'empêche, il y a des couleurs, laisse tomber. Ouh, blanc. Et blanc, ça déboîte quand même. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Non, moi j'aime bien cette couleur, espèce de bleuté Samus Metroid là. Ouh, ça c'est plus pour les demoiselles. Ah, ça pique quand même. Ah, hein. Oh, putain. Alors, il y a celui-là. Ok, casque un petit peu globuleux, mais bon. Allez, tiens, j'ai envie de me faire un petit kiff. Je me fais un petit kiff. Voilà. Allez, là on a fait la petite faille qui va bien. Ah, faut fouiller le moindre au coin, c'est. La recette de citronnade de mort qu'avance. Exemple. Donc moi je viens d'ici. Jusque là tout va bien. What? Aurais-je loupé quelque chose? Où te caches-tu? Mais non, tu es derrière. Oh là là là. C'est assez vicieux ça. C'est très 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 vicieux, j'ai envie de te dire. Ouais. Ah ça, les dessous. Ah oui, forcément les dessous. C'est-à-dire que je vais devoir y aller avec ce petit passage. Eh ouais, Mino, regarde. Non. Comment vais-je faire? Alors attends. Ok, jusque là ça va. Alors, comment vais-je faire?
qu'on est d'accord que... ça, ça va pas me plaire, ça. Je peux pas y tirer dessus. Merde. Je peux pas y tirer dessus. Donc, forcément... Ah, d'accord, ok. Donc, il faut forcément inverser le niveau pour que ça puisse le prendre en compte. Voici l'arène bistronomique de Zurkin. S'il y a un endroit où on peut trouver la pièce qu'il te faut, c'est ici. J'espère que tu as raison. C'est assez tortueux quand même. La destruction du dimensionnateur semble avoir causé une sorte de cataclysme là... dimensionnel. Si je ne retrouve pas Ratchet... T'en fais pas, Boulon. On va te réparer ça. Donc, ça veut dire que potentiellement... Ouais, d'accord. Donc, ok. Donc, à mon avis, il va y avoir un truc qui va se débloquer quelque part plus tard. C'est juste mon hypothèse. C'est peut-être pas la bonne. Mais au moins, elle existe. Alors. Ok, ben continuons gaiement par ici. Vas-y, à moi la caillasse, là, là. Alors, est-ce que tu ne devrais pas trouver une machine qui puisse ouvrir les barrières qui te bloquent? Ouais, potentiellement, ouais. Alors, je sais pas, tout à l'heure, t'as vu, Mémèze me disait que plus tard, je pourrais y revenir avec quelque chose qui va me permettre de monter. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça continue, je peux l'acheter, ça? Non. Voilà. Bah tiens, il y en avait un là. De Raritarium, c'est parfait. Ah, ça c'est directement une faille. Du Raritarium, bien évidemment. Ok, alors si je rentre là, ça fait quoi? Tu viens souvent dans cet endroit? Ouais, je viens souvent. On ne te voit plus aux soirées. Pour les membres de la résistance. Fortement, pas de map. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, normalement, je peux passer comme ça. Voilà. Oh, joli ce petit bouclier là. Ah, what is this? Un petit nounours. C'est ce qu'il fallait que je trouve, je pense. Wow, les mecs, ils se mettent à quoi? Ils se mettent la race, les mecs. Stylé, ce bar. Petit bar stylé. Ah, est-ce que je vais pouvoir m'en servir? Participation au combat non autorisé. Ok. Donc, à mon avis, on va pouvoir peut-être y revenir plus tard. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, d'accord. Ah mais t'es sérieux? Huge. Ah ouais, il est chaud lui. Voilà. On va voir s'il n'y a pas plusieurs danses à faire, tu vois. On va essayer d'en débloquer quelques-unes. Est-ce qu'il va repartir? Non, c'est bon, ok. C'est bon, lâche-moi. Voilà, un petit screenshot. Ok, super. Avec, comment on appelle ça, Sean le mouton. Serait-ce lui? Dis, Urki, t'aurais pas vu. Bon, après, il faut que j'aille manger quand même. Il a mon amplificateur de... Si ce n'est pas ma petite chérie. Tu m'as suivi jusqu'ici. C'est encore un effort désespéré pour gagner mon affection. Donne-moi l'ampli, Pierre. Donne-moi l'ampli et je vais te taper. Je vais te taper. Le rouillé? Le rouillé? Ah, morbleu! Ton ami a la langue bien pendue. Mon nom est Pierre le Fer, pirate extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je te propose un duel. Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai reçu ma petite manette custom de chez Xbox. Ah, enfin. Non.
Non, j'ai pas envie de me battre, moi. J'ai faim, j'ai envie de manger. Je préfère l'amour à la guerre. Mais pour toi, je suis toujours disposé à faire une exception. Prêt à lui reboter le derrière ? Ce genre de question me laisse... Parce que là, je commence à bailler, ça veut dire que j'ai faim. Pourquoi pas ? Mais où sommes-nous censés nous inscrire ? Il y a une console sur ce grand mur. Alors en fait, je pense que... T'inquiète, je vais te montrer. Je pense que je vais arrêter là. Ça fait 2h05 de stream. Donc je pense que je vais stopper ici. Et puis on reprendra samedi. Samedi je serai là pour streamer. Donc ceux qui veulent venir. Samedi je pense que je streamerai à partir de 19h, 20h, je verrai. Mais on va passer une belle soirée en tout cas samedi sur Ratchat, ça c'est sûr. Mais là pour ce soir je pense qu'on est plutôt pas mal. On peut s'arrêter tranquillement. Ça fait 2h, je suis un petit peu fatigué, il faut que j'aille manger. Voilà, il faut que aussi que je regarde un petit peu si ma chérie d'amour rentre bien à la maison. Donc voilà, donc c'est ce qui va être ça, comment dire, bon François. Bon, en tout cas, ouais, merci d'être passé, merci d'être venu sur le live. Donc, tous ceux qui étaient là, Memez, Nico, MD Productions, donc... Anna aussi, il y avait qui, il y avait pas mal de monde là, et puis tous ceux qui sont venus en mode scred, voilà. Donc je vais vous laisser, on va se réasseoir comme il faut. Voilà, on va pas se laisser abattre quand même, il faut pas déconner. Donc merci, bien le bonsoir, et puis si vous êtes là samedi, je ferai un petit peu quelques annonces sur les réseaux sociaux pour vous indiquer donc ma présence samedi soir. Je sais pas à partir de quelle heure, mais peut-être 19, 20h, ça serait pas mal pour jouer. On va essayer un bon 3-4 heures. Voilà, ça va le faire en tout cas. Donc je vous laisse, et puis je vous souhaite une belle soirée, c'est 22h. Donc nous, Nico, on se voit demain, malheureusement, mais plus pour très longtemps. Voilà, passez une belle soirée, merci d'être passé les amis. Je vous dis à très bientôt, et je vous laisse avec mon petit fond de fin. Allez sur ce, ciao, à bientôt.